Je vous montre une dernière partie. La partie, le dernier, c'est un art de combat, mais qui est ritualisé. Il y a un rituel à respecter quand on va rentrer dans le combat. On ne rentre pas à se battre n'importe comment. Ok ? Il y a le tambour et il y a la rampe qui est là. Les combattants, une fois que la musique a commencé, il y a un combattant qui va se présenter dans la rampe. Il y a un combattant qui va se mettre à la droite du tambour, qui va rentrer dans la rampe. Il va dire voilà, moi je rentre. Je fais un premier tour, comme si je disais bonjour à tout le monde. Je fais un premier tour. Deuxième tour, moitié tour. Je me mets devant le tambour, je vais saluer le tambour. Hop, là, ok. Et je recommence avec tout ce que je connais comme danse, comme cadence, comme comment, comme pas. Je vais saluer le tambour. Et dans cette partie, je vais saluer le tambour. C'est aussi une partie qui est importante où je me montre. J'essaie de mettre le plus de pression, que je sois le mieux possible au combat. Et dans cette partie-là, c'est là que je fais ce qu'on appelle le réseau qu'on appelle la prière. Je vais commencer à prier. Quand je prie, je vais appeler les dieux, les divinités. Il n'y a pas de nom. Chez nous, chacun, il donne le nom qu'il veut. Ok ? Je vais appeler les divinités. Partout, dans toute civilisation, les divinités sont dans le ciel. D'accord ? J'appelle les divinités. Ouais, j'ai du mal à force, je me rappelle. Il faut que je l'éclate. Donc j'ai du mal à force pour ça. Ok. Je vais demander l'énergie du tambour. Chercher comme si chaque son qui tombe, comme si c'était des perles. J'essaie de m'envelopper, m'enduire avec. Et je demande le tambour de me donner l'énergie pour que je puisse aller au combat. Hop. Je vais au sol. Le sol, la terre, c'est symbolique des ancêtres. Symbolique de l'histoire, symbolique du passé. Donc, quand je fais ma prière, j'appelle Dieu, j'appelle le tombeau, j'appelle les ancêtres, j'appelle le cosmos, le nord, le sud, l'est, et je me mets en position pour suivre le combat. Et arrivé devant le tombeau, une fois que j'ai fini cette partie-là, j'ai ce qu'on appelle une espèce de shadow box. D'accord ? J'imagine le gars qui est en face de moi, je vais lui mettre ça, qui a écrit. Je vais lui mettre ça, hop, je vais faire. Donc, j'imagine mon combat. On se prépare. Une fois que j'ai fini ça, hop, on est sur le côté. Le deuxième va rentrer, il va faire la même chose. Et ensuite, le combat va commencer. D'accord ? On fait juste 30 secondes avec Michael. Je vous le montre 30 secondes, enfin, une petite minute. Et après, sans arrêter la musique, chacun se met. Chacun m'a donné un truc pour le faire. Vas-y. Jean. Yeah.
cadence. On est prêt à n'importe quel moment à mettre en bout. Normalement, on recevra un aussi à tout moment. Pied et poing. Et à n'importe quel moment, la poignade peut se faire se retrouver soulevée, éclater au sol, finir par le comme un but comme on l'avait tout à l'heure en mode on va au sol, si j'y tue, je vous avise que ça donne. Ça fait travailler, ça fait travailler. Donc, je vous invite tous les rapidement, chacun fait une minute, on rentre dans la ronde, rappelez-vous, un grand tour, deuxième tour, on se présente devant le tombeau, ok, on va cadencer avec lui, on lui dit juste pour moi, fais-moi, voilà, fais-moi sortir de moi, fais-moi de mon envie de battre, ok. Je prie les quatre points cardinaux, je prie le ciel, le tombeau, là, je vais revenir. En même temps que je fais ça, je vous prépare pour le combat. C'est comme un échauffement. Ok. Et puis, mon cher le boxe, j'imagine, je me dis, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ça, je sais faire, etc. Ok. On essaye ça deux par deux. Sauf. D'accord. Donc, on n'arrête pas la musique. Hein. Chacun fait. Quand je vous dis des autres, on arrête. D'autres commence. Et la musique continue. Salano, viene da Salano, vuoi vuoi la sala montre. Viene da Salano,
Thank you.
Merci pour ce partage-là. Faut savoir s'adapter, hein. Donc la tournure, vu que on a fait un petit peu différemment de ce qu'on avait prévu. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de s'asseoir pour discuter un petit peu de vos sensations. Et puis, j'ai prévu une table ronde, j'appelle ça une table ronde, un sitting, un six-palais, comme vous voulez. Juste, on va s'asseoir pour et puis échanger. Et tout ce que vous avez perçu, vous avez vu que on vous a montré que là, on est en affrontement, un affrontement en cadence. Est-ce que pour vous, c'est du combat? Est-ce que c'est pas du combat? Est-ce qu'il y a à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est un mix martial? Est-ce que c'est juste de la danse? Etc. etc. Donc, posez-moi si on va s'asseoir sur les chaises, ça sera peut-être mieux. Et voilà. Et on va prendre le rafraîchissement, ça serait bien aussi qu'on comprenne chacun, on prenne un petit rafraîchissement, ça serait bien avant de commencer à parler, parce qu'on doit avoir le gosier sec, tout le monde. Et puis on va échanger. Donc, j'ai proposé une ligne directrice parce que moi j'ai un objectif en tête quand j'ai fait ça. Mon objectif, c'est de faire connaître le danger, le développer, etc. Donc, j'ai envie d'avoir des échanges avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Donc, je ne vais pas présenter. Sam, il est arrivé plus tard, mais Sam, c'est un de mes profs de Jiu-Jitsu. On ne s'est pas affronté parce que, comme il me bat tout le temps, donc je l'évite. Donc, on a eu Hendrix, je ne sais pas qui s'est là tout à l'heure avec nous, il fait de la boxe. On a Elamine et Lara. Voilà, qui sont un ami qui a fait du MMA, mais qui est aussi avec qui je m'entraîne. On se retrouve très souvent le dimanche sur les tatamis, j'y suis dessus. Et il me maltraite, comme beaucoup. Il me maltraite, mais bon, je suis obligé de me laisser faire un petit peu de temps en temps. Voilà, donc on vous a manqué tout ça. L'idée, c'est effectivement que vous partez avec cette connaissance, cette découverte. Et vous voyez que. Je vois que tout le monde connaît le MMA en France, le kata capoeira en France, en Europe. Mais personne ne connaît le Laja, personne ne connaît le Dandier. J'ai déjà fait des stages d'initiation avec des capoeiristes où il y avait la moitié, c'est sur 120 personnes, il y avait la moitié, c'est des Antillais, mais ils ne connaissaient pas le Dandier, ils ne connaissaient pas le Laja. Et vous voyez qu'on est un peu différent. Donc vous allez nous dire qu'est-ce que vous sentez. Est-ce que c'est stylisé? Est-ce que c'est quelque chose qui c'est que de la danse? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? C'est ce que j'ai envie qu'on échange ensemble et puis en même temps, on va prendre 5 minutes pour aller boire un coup et puis on s'assoit pour parler un petit peu. Et certainement que la soirée ne va pas se prolonger comme j'avais prévu, mais l'essentiel c'est qu'on finisse au moins cette partie-là qui sera complète. Voilà, merci. Les gens ils voient tout de suite ça au premier degré, alors que l'idée c'est de créer un choc, de parler de l'art martial créole. On sait qu'il y a plein de gens qui ont balancé des cailloux. Parce qu'un art martial et créole en même temps, vous pas. S'il vous plaît, regroupez-vous là, au milieu. Ouais, c'est très sympa. Donc, oui, là, je suis en train de dire que le dandier, comme le ballet, comme le boca, comme la capoeira, comme. Elle a chacun sa disposition. Disposition, c'est toujours un cercle. Ils appellent ça ronde en dernier, le bel, ils appellent ça roda, la capoeira. À chaque fois, c'est un cercle. Là, on n'est pas bon. Si on respecte le cercle, là, on se tient bien. Un beau cercle, il n'y a pas de trou dedans. Le cercle, c'est censé être la figure géométrique, la plus parfaite, comme on avait dit, l'énergie circule, sans arrêt. C'est pas par hasard que ça fait partie du rituel. La ronde. Et c'est pour ça que moi, je suis assez. J'ai du mal quand je vois pas la ronde en place parce que c'est dans tous les sens. Est-ce qu'on peut faire un concert? C'est toujours pas un concert. Mettez-moi la vidéo là. C'est pas la peine de se faire pas, c'est pas la peine de se dessiner. Mais faire un concert. Parce que ça fait pas professoral. Si je suis assis devant vous, vous êtes devant moi là, ça fait un peu professeur. C'est pas le plus facile. Il y a l'énergie qui circule. L'énergie va circuler. Il n'y a pas d'affrontement. On est tous, chacun, on est,
on est en face de tout le monde, de tous les autres. D'accord ? Alors que si on est, quand on est frontal, évidemment, il va y avoir tout de suite des oppositions, le jeu, les dynamiques de groupe. Ça va faire qu'il y a des oppositions qui vont être. Il y a des postures où les gens, ils avaient étudié que les syndicalistes, par exemple, il y a des endroits, quand il faut les réunions, celui qui est un petit peu con, il n'est pas besoin de se positionner, où il sait que, automatiquement, il va se retrouver en opposition aux autres, etc. Et les idées c'était la même façon. Donc je disais que l'idée de d'amener VSMMA, c'était un peu, je dis, bon, c'est un peu prétentieux. Donc je me suis dit, je vais me servir du nom du MMA pour pouvoir faire un petit peu attirer des regards. Je suis venu dormir, venez faire une ronde dormir, on dit on ne connaît pas. Ils ne comprennent pas. Je dis au dormir, raconte le MMA, les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Non, c'est pas ce dormir qui va raconter le MMA. Le MMA, c'est un spectacle, le MMA, c'est sérieux. Comment ça se fait? Et là, on va chercher à comprendre. Donc, tu peux leur demander qu'ils baissent un petit peu au fond là-bas, s'il te plaît. Et donc voilà, l'idée c'était ça. Art martial créole, vous savez aussi que les arts afro-descendants, les héritages. Ah, ça c'est mon ordi. Vous savez que les héritages des arts de combat, on dit souvent art guerrier africain, afro, parce que c'est pas martial. Martial, ça vient de. Comment dire, les arts martiaux, c'est une appellation particulière, appellation qu'on a donnée aux arts de combat asiatiques, d'accord, que l'Européen a donné arts martiaux, parce que arts martiaux, c'est quoi? C'est les arts de combat, les arts de guerre du dieu Mars. Mars, c'est le dieu des gréco-romains, et Mars, c'est pas le dieu des Africains. Donc, le art de combat ne peut pas s'appeler art martial, parce que ça ne dépend pas de ça. Ça, c'est la logique, certains vont me dire. Moi, ça ne me gêne pas de dire art martial ou art martiaux, parce que je sais que quand je parle avec des gens, mes amis qui expliquent là, du jiu-jitsu, qui ne connaissent pas, quand je veux dire art martial, tout de suite, ça va leur parler. D'accord ? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les mots véhiculent des idées, etc. Je ne sais pas si c'était raison. Donc je dis un martial et son enfant. Et créole, c'est encore pire, parce qu'il y en a qui ont dit créole, on n'est pas créole, etc. Vous connaissez le débat, ceux qui sont des Antilles, vous connaissez le débat qui tourne sur ce sujet. Donc l'idée, c'est de dire que, moi, mon idée, c'est de dire que le dormier, c'est un mix martial. Comme on dit MMA, c'est le mix martial A. Le nommer, c'est un mix martial. Les coups de poing, les coups de pied, qu'ils ont fait différemment qu'à la boxe, différemment que karaté, que la lutte, des projections, avec des catans, des soumissions. Donc pour moi, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je veux montrer. Ce que je veux montrer, c'est ce que je veux dire que pour développer le dormier, parce que c'est vrai que ça fait vraiment, on est dans le côté très traditionnel. Attention, on ne touche pas à la tradition, c'est comme ça. Et finalement, on tourne en rond, je vois ça n'évolue pas énormément. Et je me dis que dans la mouvance du MMA qui est officialisé depuis 4 ans seulement, alors que le MMA a fait l'exposé, on a un MMA ancestral, pourquoi ne pas le mettre aussi à joie et puis proposer autre chose, proposer un MMA différent, parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas qui, tout le monde, beaucoup de gens sont intéressés pour faire du MMA, mais tout le monde n'a pas envie d'aller finir dans la cage pour se faire éclater la tête. Tomber KO, etc. Donc, il y a des gens qui ont envie. Tout le monde n'a pas cette vocation, n'a pas envie. Moi, j'ai vraiment envie de faire de la compétition. Donc, moi, je fais très souvent des histoires de combat, mais la compétition, ça ne m'a jamais intéressé. Non, peut-être parce que je suis là, je ne sais pas. Ah, c'est prétentieux. Oui, c'est prétentieux. Donc, les choses là, c'est un petit peu pour dire ça. Donc, j'aimerais, c'est l'idée, c'est d'avoir votre ressenti par rapport à ce que vous avez vu une partie, vous avez des gars qui sont spécialisés, qui font des compétitions, vous avez vu Lara, la fille qui disait que c'est une compétitrice de jiu-jitsu, parce que tous les dimanches, c'est les arts de combat quand on est mordu, ouais, n'est-ce pas ça? Quand on est dedans, c'est comme une drogue, c'est comme une drogue, il faut aller prendre son shoot parce que dans les cas, ça c'est plus de MMA. Donc, comme je vous disais tout à l'heure,
sa mère, c'est un des profs de Jésus-Christ, et du prof de l'Académie de Jésus-Christ. Et ces échanges-là se font. Donc, au dernier, pour moi, c'est problématique parce que je me dis, si je, depuis 10 ans, depuis 2010, que l'association existe, pour faire du dernier, si je devais rassembler d'un seul coup, comme ce soir, là, si je devais mettre tous les gens qui sont déjà passés au club Pierre du Dernier, il n'y a pas assez de place ici. Il n'y a pas assez de place. Mais les gens passent, ils restent un an, deux ans, après ils disparaissent. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de gamme, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Ça arrive chez nous, je suis aussi. Hein. À la rentrée, il n'y a pas de place dans le dojo. Et puis on se dit, attends les premières. La saison des parties faites. Et puis après la saison des parties faites, le dojo, ça se nettoie. Il y a beaucoup moins de monde. Donc je ne sais pas. Donc cette partie, c'est aussi donc un. Un petit peu dormir, les marques, c'est ce qu'on pense. Deuxième proposition de réflexion, c'est est-ce que ça m'intéresse parce que c'est un art afro-descendant, un art ancestral, un art traditionnel. Est-ce que ça vaut le coup de travailler ça alors que maintenant on a le MMA de mix martial moderne? Est-ce que il y a un intérêt? Moi, je n'ai pas trop bon. Et puis, on va entamer la discussion justement. Donc est-ce qu'il y a un intérêt donc, de pratiquer ça? Et puis la troisième axe de réflexion que j'aurais aimé qu'on aborde ensemble, c'est comment développer le dormir. Peut-être que moi je n'ai pas suffisamment d'idées, peut-être que je suis à court d'idées, peut-être qu'il y a des idées de faire des rêves. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le dormir? Ceux qui ont douté un petit peu, est-ce qu'ils y trouvent un intérêt? Est-ce qu'ils voient quelque chose qu'on peut faire dedans? Et maintenant, j'ai parlé suffisamment, j'ai parlé beaucoup. Maintenant, c'est vous qui parlez. Voilà. Donc, la discussion est ouverte. Est-ce que pour vous, Dandier, MMA, ce qu'on vous a dit là ce soir, ce que vous avez vu déjà du MMA, qu'est-ce que vous en pensez? Quel rapport il y a entre les deux? Le deuxième axe de parole. À partir du moment où il y a deux adversaires, forcément, il y a... Mais la boxe, c'est pas un art martien, il y a deux adversaires. Non, mais c'est... En fait, souvent, dans la tradition, les arts traditionnels, comme dit Justin, qui viennent d'Asie, on les a qualifiés d'arts martiaux. Mm-hmm. Et en Europe, on parle plutôt de sport de combat, donc la boxe, le kickboxing, etc. Mais au final, par rapport au sport, qui a une dimension qui est uniquement sportive, l'art martial, en général, a aussi une dimension spirituelle. Donc, dans tous les arts martiaux japonais, il y a aussi autre chose, on va dire, que la dimension purement combat. Il y a une philosophie, il y a un code, une éthique personnelle, etc. Et donc après, le terme, en effet, art martiaux, il a ses origines et il y a d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, pour avoir vu découvrir le damier hein, aujourd'hui, d'abord, c'est vrai qu'il y a plein de composantes dans ce damier, c'est-à-dire qu'on a des frappes, on a de la lutte, on a du sol, donc c'est une forme de MMA. Le MMA, c'est simplement un cadre qui a été créé pour que justement différentes disciplines, différents arts martiaux, sports de combat puissent se rencontrer. Donc on a essayé de créer un certain nombre de règles qui soient assez libres pour que tout le monde puisse s'exprimer. Des kickboxers, des judokas, des lutteurs, tous les arts martiaux puissent exprimer leur technique, mais en même temps mettant des restrictions pour protéger les combattants. Donc, il y a des règles dans le MMA où il y a des choses, on ne met pas les doigts dans les yeux, on ne frappe pas dans les parties, etc. pour se protéger. Après, donc, le MMA en lui-même, c'est une discipline qui se crée, mais ce n'est pas un art en lui-même. C'est-à-dire que
on est prof de MMA, mais on peut venir de la boxe, on peut venir de la boxe, on vient d'une discipline, et on vient utiliser cette discipline et la combiner avec d'autres disciplines pour arriver à avoir une forme d'efficacité dans des règles. Par contre, ce qui n'y a pas, et qui en plus, je trouve, dans l'année, c'est qu'il y a d'abord, on sent qu'il y a une âme, clairement, il y a une tradition, il y a un esprit, il y a quelque chose à transmettre qui est très beau, qu'on trouve aussi dans certains arts martiaux qui ont une tradition. Tu disais un autre truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se retrouver enfermé dans sa tradition. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arts martiaux qui ont tendance à être figés, parce qu'il y a très longtemps, on a très peur de dénaturer l'art martial, et quand on se retrouve confronté à d'autres choses qui marchent ou qui peuvent contrer, on a tendance à les écarter en rigidifiant les règles. Le judo l'a fait, en compétition de judo, lorsqu'il y a des judokas qui sont arrivés, enfin, des arts d'Europe de l'Est avec des techniques qui ne sont pas des techniques de judo mais qui posaient problème, ils ont changé les règles, ils ont rajouté des interdits pour justement ne pas dénaturer le judo. Donc c'est vrai que le MMA n'a pas ce problème-là en lui-même, puisqu'il n'a pas de tradition, il est simplement un ensemble de règles, et à partir du moment où c'est dans les règles, on peut faire n'importe quelle technique, et il n'a pas à avoir une gestuelle, il n'a pas à avoir une âme, il peut être n'importe quoi. Et le damier, il faut quand même qu'il garde son âme, comme tu l'as dit, qu'il soit reconnaissable. Après, pour ce qui est du succès, c'est vrai que la capoeira a rencontré un succès important, et c'est aussi parce qu'on retrouve des composantes du damier, c'est-à-dire la musique, le jeu, l'intelligence, ne sont pas à se prendre non plus trop au sérieux, c'est-à-dire qu'ils sont aussi là pour jouer, pour avoir un côté des fois un peu arrogant, mais pas mal intentionné plutôt. Et donc ça permet, je trouve, d'avoir un cadre où on peut se faire plaisir, on peut échanger, avec lutter un peu, frapper un peu, sans se faire trop mal, et puis être avec la musique, et puis partager un moment particulier, et en plus perpétrer une tradition. Et puis, il y a le côté gestuel aussi dans le damier qui est très particulier, qui est très important, parce qu'ils sont obligés de danser en même temps, alors qu'il y a le lutte ce qu'on ne trouve pas dans le MMA, même s'ils dansent des fois que tu passes comme des boxeurs, mais ce n'est pas la même gestuelle. C'est différent. C'est beaucoup plus sportif, je pense, le côté damier, parce que ça demande du souffle et c'est des gestes répétés comme ça, les mouvements, c'est à du rythme, il faut, hein, le cœur. Ah oui. Vas-y. J'ai l'impression que c'est ça, c'est le damier, il représente l'histoire de la Martinique. Par exemple, quand on était au départ, il va commencer à balancer d'un endroit à un autre. J'ai l'impression que c'est un peu symbolique du bâtonnet gris qui tangue sur les eaux. Et du coup, ça vient de très loin. Et je pense que tous les peuples d'Afrique, bah, ils ont formé un syncrétisme. Bah, on ne parle pas d'Africain, mais ça a créé bah, vraiment l'histoire. Ça représente bien l'histoire de la Martinique où il faut esquiver les coups du maître, mais surtout rester en vie, rester solide, et surtout aussi donner quand on peut, et ne pas vouloir. Ne pas montrer tout le temps qu'on est agressif, on est agressif, et se déguiser ou se camoufler sous ce temps-là, mais toujours en essayant de se défendre, en essayant d'exister face à cette pression systémique qui est. Ça a été un peu l'histoire de la capoeira, par exemple. Oui, non, mais c'est pour bien, vous ne pouvez pas. Alors oui, les arts c'est de la guerre, mais c'est aussi art, artiste, la danse c'est technique. Les gens, il y a une confusion souvent entre le côté art, artiste dans le sens et art technique comme art zénith. D'abord la technique derrière, donc en fait c'est une création occidentale, enfin, le terme en ancien par rapport à ce qui était au Japon, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent du Bushido ou les bonsaï chinois. Ils ont appliqué ça à leur compréhension. Et en ce sens, une technique guerrière, quelle qu'elle soit, ça s'applique aussi aux damiers. Parce que là, il y a vraiment aussi la dimension culturelle. Il y a le fait que je fais que des gens qui parlent des artistes français, pas la ville parisienne, qui a donné la ville romaine, par exemple, parce que la ville romaine, c'est d'abord la ville française. C'est mieux. Ça propose qu'un argent. Le damier, à mon sens, si on prend ce terme littéral et pas juste le côté.
martiale et la langue martiale, c'est trois choses différentes, mais qui sont reliées les unes aux autres. Parce que le damier, il y a tout ça. Il me semble qu'il y a en plus, qui peut s'ouvrir aussi aux autres. Quels sont les parents? C'est vraiment des règlements de compte qui se donnaient généralement au début au niveau des fêtes patronales. On se donnait rendez-vous et on parlait des combattants. Il y avait des majors, des personnes. On savait qu'il ne fallait pas trop s'y frotter ou des gens à qui on donnait des rendez-vous. Eh ben, aujourd'hui, je suis là et on entend beaucoup dans les champs. L'appel au combat. De ce qu'il y a effectivement de la séducteur avec le tambour qui c'est la gestion de l'énergie aussi. Si j'avais un peu ma belle toi, oui. Voilà. Après, au début, effectivement, ça vient de l'esclavage parce qu'il y avait moins de l'esclavage, etc. Mais effectivement, en tout en Martinique, oui, avec des rencontres. L'aspect spirituel est très présent dans les gens. En tout cas, on m'a posé la question tout à l'heure. Ben, en fait, ça dépend. C'était souvent, c'est souvent l'appel au commun, en fait. Hein. C'est souvent le way ou pas way. Par exemple, tout à l'heure, quand je chantais la chanson. Lena Beyondré. Mais par exemple, voilà, il est sur Beyondré. Ouais. Donc en fait, voilà, fais gaffe. Parce qu'il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Il ne se cache pas. Il est venu te rencontrer, te chercher. Donc attention. Et quand tu. Généralement, le chanteur, il va regarder le combattant hein, pour pas l'inciter.
Mais ça fait partie de l'aspect des ritualités qu'il y a autour. Et même des fois au niveau du combat, des fois, quand ça relâche, des fois l'autre peut sortir et puis aller chercher la force du tambour. Il va la chercher pour avoir plus d'énergie pour combattre. Et c'est souvent, en fait, c'est souvent des appels, il y avait beaucoup de messages, il y a beaucoup de métaphores. Hein. Comme dans le, également dans le Bélet, mais dans le demi, il y avait beaucoup de métaphores. Et il y a une multitude de chants qui appellent au combat. Et il y a la lutte. Tu peux parler de des gens. Et qui raconte souvent des histoires. Par exemple, Cyparis, quand il a pris le chant Cyparis sauvé, ça fait un rappel à. À la notion de la montagne pelée. Le seul survivant, c'était Cyparis dans le cachot. Donc il y a de l'histoire, il y a. De toute façon, que ce soit dans le Damier, que ce soit dans le Bélet, on raconte quelque chose. Chaque chant a une signification. À part, des fois, à travers les métaphores, au premier degré, on ne se rend pas forcément compte de. On pense que ça veut dire autre chose, mais ça veut dire vraiment quelque chose. Donc souvent, voilà, y a des messages qui sont transmis, que ce soit que c'était à Sainte-Marie, à Chelcher, dans les différents endroits de la Martinique, ou à l'Anse du Fond, aux Andes et autres. Voilà. Donc il y avait beaucoup de rencontres de magie. Du coup, maintenant, c'est plus des règlements. Ah ben non, c'est plus, ce serait répondre par la loi quand même. Ça existe. Non, aujourd'hui, c'est interdit. Puis voilà, aujourd'hui, c'est dansé. On a légalisé le MMA il n'y a pas longtemps. C'est en 2020 qu'on a légalisé le MMA en France. Jusque-là, c'était interdit. D'accord. Mais au Zambier, il y avait des affrontements, il y avait des combats entre les, peu importe des majors ou pas majors, mais ceux qui se rencontraient. Et là, comme elle a dit tout à l'heure, il y en a plein qui finissaient sur les civières. Et des fois même pas de civière, mais ils étaient traînés comme ça, ils étaient des pieds des gros pieds. Et ça a été, alors on dit que ça a été, j'ai pas de source précise de ce domaine-là, de quel moment ça a été interdit, mais ça a été, c'est des affrontements qui ont été interdits, où la police débarquait, quoi, quand il y avait. Les gendarmes débarquaient parce qu'il y avait un affrontement dans l'île, c'était pendant les fêtes de tortue, quand il y avait un affrontement, les gendarmes débarquaient. Mais est-ce que, moi j'ai remarqué par exemple aussi qu'il y avait, en France, dans le sud de la France, il y avait un art de combat qui s'est pratiqué, qui s'appelait la brancaille, et quand on lit l'histoire, on fait de là avec des nez cassés, des yeux éborgnés, des bras cassés, des rotules qui étaient restés par terre. C'était pareil et ça a été interdit. Alors après, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 46-48, ça a été interdit. Donc, est-ce que le Zambie est tombé sous le même coup que l'interdiction, je ne sais pas, mais ça a été interdit et par la suite, c'est revenu un petit peu plus tard. Mais les affrontements, évidemment, je suis dans le commerce, je reçois des clients, je ne vais pas tous les jours, un jour, je reviens avec une petite vente, je vais me casser, que ce cas, quel entraînement. Et c'est pas possible. Puis la compétition, aller se faire massacrer, ça rapporte à rien. Sauf si on est John Jones ou Gano. Et le temps d'arriver jusque-là, bon, on a le temps de se casser plein de trucs. D'accord. Donc, il y a de ça, mais il y a, quand je parlais des animaux, c'est que le dernier, dans le temps, d'ailleurs, chez nous, chez les Martiniquais, quand les gens disent dernier, tout le monde a peur. Il y a une espèce de peur rampante où, justement, quand il y avait des zombies, les enfants comme ça, les parents, ils attrapaient par les oreilles, ils sont de là. Ils ne restent pas voir ça. Parce que, et j'ai des amis qui, de cet âge-là qui me disent qu'ils sont traumatisés par les zombies parce que quand ils étaient petits, ils ont vu des gens, le nez tordu, les dents cassées, du sang partout. Et quand je leur dis zombies, ils disent je ne suis pas dans ton truc, ça ne m'intéresse pas. Mais ça fait peur, c'est des combats qui font encore peur chez nous par la violence de ce que ça pouvait avoir. Et c'est proche de ce qu'on peut voir dans les cages, hein, maintenant. Heureusement qu'il y a des arbitres, probablement. Et sinon, à chaque fois, il y aurait des morts. Hein. Si vous tapez dessus, c'est pas tout. Donc, quand je parle de MMA, effectivement, de mix martial dans la logique du MMA, du pur MMA,
c'est, pour moi, c'est une avancée, mais il y a un tourbillon qui se crée, un tourbillon un peu se laisser aspirer, aspirer par une renommée, aspirer par, par des pratiques, mais tout en gardant son âme. Parce que si on ne garde pas la musique, si on n'a pas l'esprit, la philosophie, way ou pareil, donc ce n'est pas un affrontement comme à la boxe ou une question de en face à ce côté. On cherche le chaos, on cherche le jeu, on cherche comment je vais l'attraper, l'attraper par la jambe, le sauter, le sac au sol, le mettre. C'est ça qu'on cherche. C'est la philosophie, quand on sait bien mettre la philosophie en place de way ou pareil, le jeu, la provocation, le lier tout ça ensemble. Ça donne des jeux. Des fois, vous pouvez voir un super jeu d'envier où les gens ne se sont jamais touchés. Mais vous voyez du combat qui est. Peut-être que si jamais ils se touchaient. Ça pouvait faire mal. Ça ressemble vachement à la capoeira. Comment ? Ça ressemble vachement à la capoeira du coup. Ça ressemble beaucoup à la capoeira. À la capoeira des. Capoeira plus vieille parce que la capoeira d'aujourd'hui, c'est cristallisé. Ah, c'est pas la même approche. Mais quand vous avez des vieilles images de Capoeira des années 60, on dirait des zombies, hein, vous mettez la musique, des mecs qui font deux, trois gestes, boum, ça s'envoie. Il y a le petit débat. C'est une question des codes. Voilà. Ouais. Je pense à un activiste, un peu sur Rio, qui vient de la Capoeira, qui était ancien Pride. Regardez les highlights. Ça dépend des codes antilliens. Au début, il y avait les affrontements Loutalibré, JJB, Capoeira, etc. Ce n'était pas les Capoeira qui dansaient, c'était les mecs qui étaient les plus. Moi, c'est que l'appellation, je ne la connaissais pas. Moi, ma mère, elle est 38, elle ne parlait pas. Ouais, mais c'est le terme que Damien, je connais depuis quelques années, parce que j'avais fait un documentaire sur combat sport, il parlait justement de la jade, il parlait de. Mais après, bon, il y avait un truc. J'ai écouté, je ne sais pas si quand vous avez vu, quand je pense à Cyrano, je pense que c'est le panache. Il y a un côté, c'est pas juste je tape, mais je tape avec style. Il y a ce côté d'orgueil, et donc je pense à Cyrano. C'est à la fin je touche. Et là, c'est un peu ça, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, il y a cette fierté. Et c'est ce qu'il disait, ouais, c'est dans le « ou voyez pas ouais ». Ouais, c'est ça. Et c'est, moi, je suis là, mais je suis pas là. Et en même temps, alors, je ne sais pas si vous allez bien le prendre ou pas, mais par rapport à la capoeira, je dirais, utilisée comme mot, même s'il n'y a pas d'affrontement là, mais moi, je ressentais que j'avais une sensation de. Donc, ça pouvait partir un peu comme un combat de coq, très très agressif. Je trouve ça beaucoup plus agressif. Là, on n'a pas vu. J'ai fait le combat, j'ai de cette agressivité. Là, je me dis, ça peut partir et que ça pourrait être violent. En fait. Et là, à quelque part, si le mec il me touche, ça va un coup de pied à la tête. Je l'ai déjà pris, j'ai fait ça. Je sais que ça peut faire mal. Mais j'ai pas tout. Je sens aussi une espèce d'agressivité latente. Mais dans le domaine, on le voit. Hein. Non, mais dans le domaine, là, je le sens davantage. On n'est pas comme ça, le capoeira, je dirais, utilisé, parce que ouais, il y a un style. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a marqué, parce que moi, je me l'ai fait. On l'a parlé au début, je dis, vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est plus tard que j'ai vu moi, j'ai fait ça, c'est ensemble, c'est pas les mérites. C'est à côté, on peut dire, plus identitaire. Ça fait mal. Et change côté, ça peut exploser à la porte. Ça c'est sec. Ça souvent ils disent. On va être comme ça. Geste bien lié. Oui. Ah bah. C'est pour ça que justement dans la danse, tous les mouvements sont des mouvements pour cacher son jeu, préparer une attaque, etc. Et on se retrouve avec une philosophie qu'il faut trouver. On vous dit que il n'y a pas une position. On vous dit toute position c'est
C'est-à-dire dans toutes les positions, toutes les postures où vous êtes, vous allez pouvoir frapper pour vous défendre. Il n'y a pas de geste inutile. Quand je bouge mes jambes, quand je bouge mes pieds, quelle que soit la position, je pars. Si au moment où je suis attaqué en tombant, je dois pouvoir riposter, je dois pouvoir toute position c'est. Et effectivement, bon, on ne le pratique pas nous ici, mais ça c'est des choses qu'on a apprises quand on a lycée au dernier. C'est toute position c'est cool, donc toutes les postures, je dois pouvoir frapper, me défendre, etc. Et toute corps c'est combat. Ça veut dire que je dois pouvoir me battre avec toutes les parties de mon corps. Il n'y a pas de partie réservée. Et justement, à cette période-là, les fourchettes n'étaient pas interdites. Quand ils se sont rencontrés, les fourchettes n'étaient pas interdites. Les fourchettes et les doigts dans les yeux, ce n'était pas interdit. Ils pouvaient n'importe qui. Et il n'y avait pas de règle de poids. Donc, c'est aussi. Ça pouvait faire des différences qui sont. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Au dormir, on mettait des rasoirs avec un bout de. C'était jusqu'à l'endroit. Voilà. On serait ça. Enfin, en tout cas, comme mon père me l'expliquait, il disait ne voyait pas le temps de dormir parce qu'en tout début, je m'en avais, je disais c'est la dja. Il me disait vraiment c'est la dja. Avant, c'est pas toujours dit. Je dis, on n'a pas fait avancer. Mais c'était jusqu'à la mort. Ouais, c'était comme des combats de camp. Ton pâté à terre, le pâté carré, le monde est si vieux, le combat va être fini. C'était vraiment ça. Après, il faut aussi noter, comme le disait notre pense, l'importance de la musique qui accompagne justement, de faire monter cette énergie-là à travers le chant, puisque chanter y a une voix qui a porté, tout comme le volet, c'est important d'avoir une voix qui porte et qui donne. Et la force du tambour qui va justement amplifier tout ça, cette énergie-là, et qui peut faire le combat justement monter en violence. Un peu comme en boxe style en fait. Oui, si vous voulez. Parce que boxe style, c'est de la musique. Oui. Et si c'est pas une cassette, c'est vraiment des musiciens. Mmh. Ils vont pouvoir accélérer le combat avec la musique. Ça c'est super important de jouer avec cette énergie. C'est vrai que souvent, des fois, on arrive, des fois, ils mettent, on fait nos radios, nos combats, il y a la musique de fond. Et c'est vrai que la musique, c'est pas là, c'est pas une envie, mais le fait d'être sensible à ça, la musique, ça met une ambiance, ça met dans un état. Mais disons que je veux dire, c'est que quand on pense à. Enfin, ici, on suit une cassette, ben, c'est le même rythme de corps. Oui. Mais là-bas, quand tu regardes le combat, différent parce que quand tu chantes ou quand tu frappes, tu vas regarder le combat, quand tu vas amener, ça va gérer les. Je crois que tu as un jeu aussi, de toute façon. Oui, il y a un jeu. Même les combattants et les chanteurs et les deux s'alimentent. C'est super important pour pouvoir monter en énergie avant le combat. Et là-bas, ça peut être très, très, très dur. Même aujourd'hui en 2024. On dit que le tambour, Avant, il était dit ça, c'est-à-dire que si le tambour n'a pas qu'à battre suffisamment, il n'a pas qu'à avoir suffisamment d'énergie comme il était là, eh bien, il a dit, ouais, on joue mal, bah, moi, donc, moi, pas ressenti. Voilà. On est obligé souvent d'essayer de donner la même énergie à l'un ou à l'autre. En fait, je pense vraiment que le tambourier, il peut casser le jeu. Ça veut dire moi que si il connaît le combattant, il peut, rien qu'avec le tambour, faire en sorte qu'il gagne le combat. Déjà, il y a ça. Et moi, j'aime bien, quand je chante, j'aime bien créer. C'est de créer l'énergie que même s'il y a deux combattants au milieu, que la personne qui est assise tout au bout va avoir aussi envie de se battre. Va avoir envie de sentir quelque chose qui va le travailler et qui va. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais
moi, je trouve que c'est très intéressant que pour moi, le fait de chanter sur le mantra, c'est comme une prière. C'est une préparation. Une préparation, il y a une façon de mettre le tambour. Voilà. Il y a une résonance, une fréquence qui va créer quelque chose sur l'être humain et qui va faire en sorte comment que deux personnes vont se déchirer. Et c'est d'où l'importance, c'est que justement, voilà, comme il disait, du mantra, mais avec la voix d'ailleurs. Derrière ça, derrière ça, ce que j'ai entendu et ce qui est bien, parce que c'est quand même assez récurrent, c'est que il y a des majors qui venaient avec leur équipe. Mm-hmm. Donc c'est pas non seulement histoire de tambouiller, mais quand il va venir, et puis il y a des moules. Et pour les Yopel, ceci Yopel, tout dépend. Ça peut partir aussi derrière. Je veux travailler tout ce qui est projection, je vais faire appel à des judokas. C'est ceux qui ont judoka ou jitsuka. Nous, on est un peu plus feignants, on fait des avions au sol, on ne fait pas des projections. Si je veux faire du combat au sol, travailler les gumets à terre, je veux faire appel aux jitsu. Parce que c'est eux qui ont élevé la technique le plus vers la perfection, le plus perfectionner la technique. Donc chacune de ces disciplines-là peut apporter quelque chose de mieux. Et je me dis que d'un militaire, un pratiquant, ou un jamais qui décide de travailler, de développer le domaine, c'est comme les gars du MMA. Les gars du MMA, pour aller maintenant faire une compétition de MMA, il faut savoir boxer, coup de poing, coup de pied, lutter, combat en sol. Si vous ne savez pas faire tout ça, c'est impossible. Thank you.
J'ajouterai qu'il y a le travail d'un Damieté, le travail universitaire de Éric Louis Alexandre, un Damieté martiniquais. Qui est accessible aussi je l'ai, moi, donc on échange nos coordonnées. Voilà, il faut qu'on échange déjà dessus, parce que moi j'ai parlé de ce que je connais plus officiellement. Il y a des documentations de travail qui se fait sur Paris. Et après, la confirmation, j'ai une autre rencontre. Enfin, après, on va dire voilà. Monsieur Lavillette qui disait damier c'est l'amour. Le damier c'est l'amour. À chaque fois se rappelle la violence au désir, la violence au relâcher, cette tension des polarités, la pulsion de vie, la pulsion de mort, c'est ce qui nous régénère, c'est ce qui nous recycle. Et en fait, c'est très difficile parce qu'on peut avoir une violence apparente, mais si elle n'émerge pas, quelque part, on n'a pas l'espace qui permet de transcender. Parce que c'est tout le temps cet entre-deux entre la mort. Et vraiment cet enjeu de mort qui en même temps eh bien, rappelle ce pourquoi on est en vie. Et quand on rentre, on peut dire que c'est de l'orgueil, mais c'est surtout un appel à la communion entre le « je » et le « nous ». Et ici, il n'y a pas ce champ de connexion pour ouvrir et rentrer. Parce que la voix pose le champ. Et la voix va poser le champ selon aussi sa matrice. Lui te parle de points qu'il va placer en dehors de la ronde. Mm-hmm. Celui qui va rentrer, il va peut-être sentir d'abord le point qu'il va placer. Le tombouillé, il est là. C'est un combattant qui est avec toi ou qui n'est pas là avec toi. Donc tu as plusieurs champs déjà quand tu rentres. Et ton combattant lui-même va rentrer et va ouvrir un autre champ. C'est important, des constellations. Il faut absolument que tes points cardinaux soient connectés pour créer la vraie route. Et je sais qu'il y a eu plein de discussions en Martinique sur la question de la violence, parce qu'effectivement c'était loin, mais des fois ça peut encore aller loin, et qu'on ne peut pas effrayer parce qu'on veut aussi fédérer. Mais c'est quand même le seul arbre pour l'instant, ce que je ministre, mais pour avoir rencontré Cobra Mansa au Brésil, un des maîtres de la capoeira qui a rassemblé la régionale et l'Angola, il disait qu'il y a cette âme-là, de cette mort à la vie, qui n'a pas encore été stylisée, parce qu'on l'absorbe. Parce que la jinka chez nous, c'est le chocho. On l'absorbe et on peut jaillir comme tout récupéré. C'est de la transmutation, quoi. Comment ? C'est un peu de la transmutation. Ça pourrait permettre. En tout cas, il faut rentrer dans le transfert. La violence, il faut rentrer dans le transfert. On est rentré dans le transfert. La danse elle-même, la danse, c'est déjà une célébration. On danse. Quand je suis dans la ronde, je suis là. Qu'est-ce que je suis bien. Cette cadence-là.
que je ressens, je raconte quelque chose. Quand on voit un invité qui couvre la ronde, qui va monter au tambour, on a une histoire à raconter. Chacun raconte une histoire. Tout le monde fait les mêmes gestes quasiment. Par contre, il ne faut jamais les mêmes gestes dans le même sens, dans le même ordre, de la même façon. Et ça donne un sens qui est différent. Et effectivement, quand le invité qui rentre dans la ronde, il sait qu'il rentre et qu'il joue au jeu de la mort, la vie à la mort. Parce que si le combat, effectivement, comme il disait tout à l'heure, si ça explose vraiment, si ça part vraiment, il sait très bien qu'on peut y rester, ou l'autre peut y rester, et on joue au jeu de la mort. Mais on sait qu'en même temps, on sait jouer à la vie, justement, parce que quand on ne meurt pas, on sait vraiment qu'on est encore plus content et heureux d'exprimer cette chose-là. Et il y a la connexion, c'est la connexion avec la musique. La musique donne le rythme, donne l'énergie que si on ne la contrôle pas, si on se lâche, et effectivement, là, à ce moment-là, on perd tout contrôle et on peut faire n'importe quoi. Justement, ce qu'il disait, c'est que l'explosion peut être là. Parce que celui qui n'a pas contrôlé son geste, bon, il est parti, le coup de pied est parti. On se retrouve au maximum de la violence. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui existent dans le milieu, qui sont, et c'est pour ça que je redis tout le temps les mêmes, parce que je sais que cette violence-là, elle est là en permanence. Elle est là. On joue avec elle. Mais à n'importe quel moment, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est en ce sens que c'est un arc qui est complet, un arc de combat qui est complet. Et en plus, il y a l'ancrage, il y a cet ancrage dans une culture. Mais ce n'est pas une culture qui est. Ça ne sera pas réservé qu'à des Martiniquais. Il y a des climats quand on est dans cette culture martiniquaise, on se fait référer à ses ancêtres, etc. On se fait référer à ses histoires, à son histoire, à sa mémoire. Mais on se rend compte à la fin que Damier va vous dire, comme il disait tout à l'heure, l'amour, respect de l'autre, respect des plus petits, parce qu'il est plus faible que toi, mais respect des plus grands, parce que tu transmets quelque chose. D'accord ? Et tout ça, ça fait partie, c'est une idée, une philosophie qui invite à vivre autrement. Dans qu'on va trouver, il y en a l'autre, on va trouver des idées comme l'esprit co qui met co. L'esprit co qui met co, ça veut dire l'esprit qui, comment dire, c'est l'esprit qui domine la matière, une façon de traduire l'esprit qui domine la matière. L'esprit co qui met co. Ton esprit est le maître de ton corps. D'accord ? Donc, il y a des façons de l'approcher. Si quand on commence à fouiller un peu plus, quand on commence à chercher à comprendre un peu plus, on voit que au-delà, ça sort du domaine simplement martiniquais, simplement martiniquais. C'est comme ça, vous invite au respect. Et le respect, dans tous les arts martiaux, tous les arts de combat, ça vous invite au respect. On touche à l'universalité à ce moment-là, l'universalisme, je ne sais pas très bien lequel vous voulez le plus juste. Mais ça ramène à l'universel. Ça ne reste pas enfermé dans une communauté. Se ressemblent, et pas simplement que le dormier ressemble à la capoeira, mais que si la capoeira et le dormier se ressemblent, c'est parce qu'ils ont une racine commune qui vient d'Afrique et qui est la même pour tous les arts martiaux afro-descendants, pas seulement au Brésil, pas seulement en Martinique, mais pour les îles de la Caraïbe, et qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux du continent. Et je pense que c'est aussi, et c'est ce qui fait que le dormier, à mon sens, ne peut pas prendre la direction de ce qu'on appelle le moment aujourd'hui, parce que quand on pratique le dormier, on le pratique pour se souvenir de nos ancêtres, pour se souvenir du passage de l'Atlantique, comme tu disais juste avant, et c'est un truc qui résonne à l'intérieur de toi, et c'est une forme d'affirmation de toi et d'affirmation de ta communauté, et la perpétuation de ce que tu es et de ce que les anciens et de ce que tes ancêtres étaient pour le faire perdurer le plus longtemps possible. C'est comme si on disait que la danse irlandaise, c'est comme la danse bretonne. En fait. C'est la danse bretonne, c'est la danse bretonne. Et la danse irlandaise, ça remonte encore à d'autres. Donc là, il n'y a pas de danse.
danse, elle est, la danse est comme les arts de combat. La danse est universelle. Les arts de combat sont universels. Sur tout, tous les cieux, sur toute la terre, les hommes ont inventé les arts de combat. Pas longtemps, on n'a pas inventé un art de combat. Que ce soit chez les Indiens, ils avaient une façon de se battre. Les Asiatiques avaient une façon de se battre, les Européens avaient une façon de se battre, les Africains avaient une façon de se battre. Après, ça devient culturel. C'est culturel par rapport à la loi, par rapport aux commerce, par rapport à celui qui vit en montagne à 3000 mètres, enfin, 3000 mètres, 500 mètres d'altitude. Là, il ne se bat pas de la même façon que celui qui vit complètement au ras du sol, qui n'a jamais, qui n'a pas les mêmes problématiques d'équilibre par rapport à l'ancien environnement. Donc, l'environnement, il faut bien prendre en compte donc, la réalité sociale. Tout à fait. Avec, à un moment donné, tel type de un combat va se remonter. Les combats vont peut-être à une époque où il y a une nécessité donc, d'affronter donc, un oppresseur donné. Mm-hmm. À un autre moment, c'est les règlements de compte qui l'ont emporté. Et puis après, il y a. Cette notion donc, de comment on vit entre les deux villages, les rivalités, donc on va dire, entre deux villages, entre deux villages dans ce sens-là. Donc, la réalité sociale, dans le temps, le combat peut, la notion du combat va évoluer en fonction donc, de ce qui est en avance. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste, quand je dis que tous les cieux, il y a eu des arts de combat. Le combat est universel, la danse est universelle. Ce qu'on voit, c'est que quel que soit l'endroit où l'être humain a été, qu'il a développé quelque chose, quand on gratte au fond, on retrouve les mêmes principes de respect, de solidarité, de travail technique, etc. etc. On retrouve, c'est les mêmes éléments. C'est pas différent. Sauf que c'est posé d'une façon, culturellement, c'est posé différemment. Et puis selon que ça a été en confrontation avec d'autres civilisations, des civilisations qui étaient plus ou moins dominantes, on peut ressentir, ça peut s'exprimer de façon différente. Mais le fond, l'universalité, on retrouve toujours les mêmes choses. L'amour, le respect, la solidarité, la paix, etc. C'est toujours ça. Pour Julien, on n'a pas besoin d'apprendre à sa femme pour protéger sa famille. Alors que dans les XIIIe siècle, c'était ça, tout le monde devait savoir se battre pour protéger sa famille. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de le faire. On attaque votre famille, il faut aller chercher la police. Et puis, il y a autre chose que tu n'as peut-être pas mentionné, que j'ai constaté régulièrement lorsque ils faisaient des joutes entre eux, là. Il y a de la maîtrise de soi aussi. Parce que à l'époque, comme disait Adam, ils pouvaient aller jusqu'à la mort. Et là, on voit bien qu'il y a une certaine maîtrise de soi, parce que lorsque on sent que ça devient chaud, même certains d'entre vous intervenez, parce qu'ils sont dans la lutte, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a également le fait qu'ils ont une maîtrise de soi pour ne pas aller beaucoup plus loin. Et ils se congratulent à la fin. Donc je pense qu'il y a cette qualité-là également, que ça apprend quand même à quelqu'un le savoir-vivre. Donc quand je propose, quand je dis effectivement, quand je fais appel à cette comparaison avec MMA, je ne dis pas qu'il faut faire du MMA pour faire des envies du MMA. Ça veut dire. Je ne sais pas comment dire qu'il y a une espèce d'atmosphère qui veut que. Et je me dis que tout le monde n'est pas amené, n'est pas appelé, n'a pas envie d'aller faire la compétition, n'a pas envie d'aller monter dans une cage. Enfin, au moins très peu sont les gens qui ont envie de monter dans une cage. Très peu finissent comme sportifs de haut niveau, que ce soit au football, que ce soit ailleurs. Hein, d'accord ? Il n'y a pas de gens qui pratiquent. Il faut savoir aussi rester à sa place par rapport à la pratique qu'on peut avoir. Même si je fais ça, les 20 fois que je fais du jeu dessus, je ne vais pas aller monter sur une cage contre quelqu'un qui est lancé le métier et qui est champion du monde. Je vais le faire éclater en 3 secondes. Donc chacun doit rester à son niveau. Seulement, moi ce que je dis, c'est que le Nogi offre quelque chose du MMA avec un plus. Avec un plus, c'est-à-dire un ancrage dans le culturel, un ancrage dans de l'histoire, un ancrage dans la mémoire. Et par cet ancrage-là, on sort des éléments
des éléments qui nous amènent à l'universalité parce qu'on va apprendre le respect. Je le dis souvent, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand on parle de respect, on est dans le sud des tatamis, on est dans la salle de sport, on dit qu'il faut respecter le plus petit, il faut respecter la femme, il faut respecter le plus vieux, etc. Mais ce respect-là, on l'apprend, c'est pour la vie qu'on l'apprend. Si vous êtes respectueux dans la salle de sport et que vous sortez, vous prenez votre voiture, au premier, comment dire, au premier passage côté, vous voyez une petite vieille qui traverse, et qu'elle soit la vieille, vous devrez apprendre à la voir dans la vie, à l'extérieur, justement. C'est ça que ça devient quelque chose, ça devient un comportement, ça devient une manière de vivre, comme on dit dans le monde. Moi, je pense que ce sont ces éléments-là qui me sont les plus importants, parce que les gens, faire connaître, c'est passer par la faire connaître. Utiliser le courant, surfer sur les vagues, tout en restant soi-même. J'ai une question à poser sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais donc de ce qui disait l'opéra, le dernier, toi, tu parlais aussi des autres arts sur le continent. Moi, je suis à moitié africain. Et chez, de ce côté, moi, je vois par exemple. Et nous, on a le meringue. Sauf que, parce que, à la Réunion, ils appellent le meringue, c'est différent, parce qu'à Madagascar, le meringue, il n'y a pas le côté, de ce que j'en ai vu, il n'y a pas le côté danser, c'est on se met sur la gueule, les différents. Il n'y a pas ce côté, je dirais, dissimulé, tu vois, c'était vraiment. Il y a eu l'occasion, ça a duré moins longtemps, c'était 70 ans. Il n'y a pas ce côté où on est resté 300-400 ans. La Martinique, c'est 1630, 1640. Là, on va faire 400 ans. Donc, vous savez, est-ce qu'il y a d'autres arts, que je ne sais pas, sur le continent, qui sont peut-être dansés pareil, ou c'est juste cette proposition de danser, c'est juste à côté qui était dit. Pas que dans la Caraïbe, mais en fait, ceux qui ont traversé l'Atlantique. Parce que tu regardes les. Enfin, par exemple, là, ceux qui jouent MMA, il y a le ONE FC, il y a un Sénégalais qui est le champion de polo. Exactement. Et lui, il y a une amie sénégalaise, c'est très petit, c'est particulier. Il y a ce côté un petit peu, on joue au MMA, mais il n'y a pas le côté. Mais tu as la qualification et la qualification. Tout à fait. Tu n'as pas du coup dans le. Oui. Mais bon, c'est ça que je posais la question. Est-ce que c'est quelque chose qui unifie uniquement ceux qui ont été reconnus à la servitude côté danser ou comme tu semblais le savoir, mais le Réunion de Mayotte et des Comores, j'ai l'impression que c'est assez peu dansé aussi, c'est vraiment ils se mettent des calottes fortes. Je sais qu'à la meringue, il me semble que ça danse un peu, mais je sais pas trop, je sais qu'à Madagascar, le meringue c'est vraiment